Hey yop tout le monde, bienvenue pour cette vidéo conclusion sur le jeu This War of Mine, désolé pour mon anglais. Donc après 3 épisodes, j'en ai conclu, j'en ai décidé que je pense que je vous ferai une conclusion. Et c'est le cas pour cette vidéo présentement. Donc conclusion sur This War of Mine, c'est un très bon jeu, je vous le recommande fortement. Quoi d'autre, il est dur dans le sens où quand vous tuez des gens pour aller chercher pour aller voler piller et tout ça, et bien c'est que votre gars qui a tué cette personne va tomber en dépression, il va être mal dans sa peau, vous comprenez. Donc l'autre souci étant la nourriture et toutes les provisions, parce que en fait le problème c'est que vous êtes obligé de par moment de vous faire rationner, se dire mettre de côté. Ainsi de suite. Et aussi le souci étant que vous pouvez aussi mourir tué par d'autres gens et qu'il y a des gens aussi qui vous pillent, mais bon. Tout le fait qu'il faut monter à la garde, on va dire. Donc franchement, ce jeu qui sert à une cause humanitaire aussi. Parce que oui, This War of Mine, c'est. Alors, je. Normalement. Attendez, il faut que je regarde un truc. Oups, voilà. Hop, 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 hop. Alors, This War of Mine, c'est un jeu qui est pour aussi. This War of Mine. C'est un jeu d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, This War of Mine est disponible sur PC, donc sur Steam. Et aussi sur les versions Android et iOS, je pense. Si je m'en souviens. C'est normal. Et c'est un jeu qui sert à une cause, mais je ne sais plus laquelle. Parce qu'en fait, vous pouvez faire des dons, etc. Ça. Ah, donc voilà. This War of Mine est disponible sur PC, PlayStation 4, sur Xbox One, sur Mac, sur iOS et sur Android. Voilà. Survival horror, mais non, c'est pas vraiment survival horror, c'est juste un monde en guillemets ou la guerre. Donc, commander This War of Mine, non. Bon, bah voilà, je vous le dis, c'est vraiment un bon jeu. Je vous recommande d'y jouer quand vous vous ennuyez ou quoi. Et que franchement, c'est un jeu très prenant et vraiment chouette à jouer, c'est fun d'y jouer. Enfin, vous aurez compris. Ben voilà, c'est tout pour cette conclusion. Vous savez, vous pouvez le trouver en crack, mais vous savez, franchement, je vous recommande de l'acheter parce que franchement, ça permettra déjà de contribuer à l'association, parce qu'il y a une association avec, comme je l'ai dit, mais aussi de contribuer au développement pour qu'il y ait des mises à jour et ainsi de suite, donc pour financer un petit peu l'auteur de ce projet. Donc voilà. Enfin, j'espère que cette mini vidéo vous aura plu. C'est une vidéo, encore une fois, conclusion sur ce jeu. Je ne ferai pas d'épisode 4. Pourquoi? Parce que le souci étant que j'ai voulu faire des choses et que j'ai perdu la sauvegarde. Voilà. Parce que le seul souci, je dirais, avec ce jeu, c'est les sauvegardes qui seront. Qu'on peut pas décider quand on sauvegarde telle ou telle chose. Enfin, donc voilà. Mais franchement, oui, c'est vraiment un bon jeu. Je vous le recommande fortement. Donc voilà, bah, je vais vous laisser sur cette mini vidéo de 4 minutes, 4 minutes 50, on va dire 4 minutes 30. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Et je vais faire aussi d'autres tests sur d'autres jeux. D'autres petits jeux comme ça, enfin je vais essayer du moins et vous donner après 3 épisodes une conclusion, donc ça va être un nouveau type de vidéo on va dire, parce que ça play full, donc ça play full de 3 épisodes max que je ferai, et enfin 4ème épisode en fait ce sera une conclusion. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à liker. Et vous abonner surtout, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, j'ai perdu 2 abonnés. C'est un peu triste d'ailleurs, ça, mais bon, enfin, faut faire avec. Donc voilà,
Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube qui veut pas parler un peu de tout et de rien. Parce que le mercredi, j'ai tendance à vouloir faire une vidéo annonce avant ma semaine, tout ça. Donc voilà. Alors, bah, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Franchement, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Peut-être qu'il y en a qui se sont dit, allez, on zappe. Enfin bref. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, chez le jeu, à commander, à faire peut-être des dons à l'association. Parce que quand vous achetez le jeu, vous l'ouvrez, vous avez un petit logo en bas à gauche. Je crois que, si je me souviens bien, l'association, c'est pour les enfants qui sont victimes de la guerre. Donc franchement, c'est une bonne cause. Donc voilà, c'est tout. Bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter, de la partager, de la liker et de vous abonner. Bah merci d'avoir encore regardé cette vidéo, comme toujours. Et peace.